Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, c'est Paradoxe, on se retrouve pour ce tout nouvel épisode de notre aventure, oula, sur The Legend of Zelda Ocarina of Time. J'espère que vous allez bien. Waouh! Et donc, dans le dernier épisode, j'ai devenu adulte, donc là, je viens de sortir du temps bizarre et regardez déjà moi ce temps! Donc, du coup, voilà, on devrait... Oh putain, y a plus personne. What the fuck? On doit aller à Cocorico. Si vous vous en souvenez, on doit aller à Cocorico. Mais what the fuck? C'est le bordel! Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, ce qui s'est passé, on s'en doute. D'ailleurs, on s'en doute même fortement en fait. Forcément que Ganon doit être à l'origine de tout ça. Mais bon. Donc ouais, donc je vous rappelle qu'on est devenu adulte. Et donc que le jeu commence en partie réellement. J'ai un doute sur... Où est Cocorico? Non, c'est là, Cocorico. Oui, c'était là. Je me trompe d'endroit. Donc voilà, ouais, donc j'espère qu'en tout cas, vous allez bien. D'ailleurs, petite anecdote, vu que là, on est en train de papoter entre nous. Enfin, on est en train de se balader. Autant profiter pour papoter. Je tiens juste à vous dire que depuis... Depuis l'épisode de mardi de Lego L'Hobbit, voilà, les épisodes sont... J'ai changé de montage, j'utilise maintenant Filmora, donc voilà. Je sais pas si vous verrez la différence trop sur ce Let's Play, mais bon, enfin, je connais pas encore le truc à fond, mais en tout cas, voilà. Où est-ce qu'il faudrait aller à Cocorico? Moi, il y a bien un endroit que j'aimerais voir à Cocorico. Je pense que ça doit être là. On va aller là-haut. Oula. 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 Calme. Calme-toi. Wow. Alors, où est-ce qu'il faut... Ok, bon, déjà, c'est pas ça, vu qu'a priori, là, il n'y a plus personne. Là, regardez, ici, il y a une échelle. On va y aller, on va aller voir. Je trouve qu'il y a quelque chose de super important qu'on n'a pas encore été voir. Bonjour. Ha ha ha. Je surplombe tout le village. J'adore regarder les gens d'ici. Ils sont si petits. D'accord. Donc tu es concrètement ce qu'on appelle inintéressant. C'est pas grave, Link. Où est-ce qu'il faudra aller? Là-dedans, il y a toujours de l'eau. Non! Ah ok, en fait il pouvait descendre plus tranquillement que ça. Quoi?
pas là qu'il faut aller a priori. Attendez. C'est bon, je sais exactement où est-ce qu'il faut aller. Et en plus, on pourra aller au... on devra aller au rang de son nom aussi, après. Vous devinez certainement pourquoi. J'en dis pas plus. Donc effectivement, c'est bien l'endroit où je pensais qu'il faut aller. Il faut aller au cimetière. Bon, en même temps, c'est un peu les deux lieux importants de Cocorico. Le cimetière et j'espère que vous me voyez bien. J'espère que vous me voyez pas bien, je pense. Comment est-ce qu'on monte déjà? Déjà, où est le cimetière? Je me souviens même plus. Je me souviens même plus où est le cimetière, je crois qu'il est là. C'est là, je crois. Je crois qu'il est là le cimetière. Je crois qu'il est là le cimetière. Je crois. Je suis pas sûr. Ouais, c'était là. A priori, c'est une tombe à déplacer, je pense. Je pense qu'il va y avoir une tombe à déplacer. Ok, par toi. Toi? Non. Oh! Qu'est-ce que c'est? Vous avez vaincu un esprit. Bon, ouais. Ok. D'accord. Ici, il y a quoi? Rien. Ici. Rien. Là. Rien. Il y a forcément un truc à faire, je pense. Non. Il y en a une à déplacer. Je suis pratiquement sûr. Et puis parce que j'ai aussi un petit tuto sous les yeux. Où est-ce qu'elle est? C'est la moche chérie. Oh, on se casse. Ok, bon. Tac, hop, on va essayer d'enlever le tuto. Un endroit inconnu. Salut. Hé, hey, mon petit bouchon. Tu te crois rapide. Et je peux peut-être... je peux peut-être la tourner à travers, mais je force. Je fonce comme une flèche, on fait la course. Enfoiré. Oh,
Putain, mais l'enfoiré! Il passe par où? Par là. En fait, je pense qu'il va m'emmener à la fin du labyrinthe. Aïe. Link. Oh. Putain, mais. Voilà. Non. C'est bon, je vois ce qu'il est. Une blague, je vais vraiment crever. C'est une connerie, moi, fort. Voilà. Le temps de la course est de 1 minute 14. Eh, hey, mon petit bouchon. Alors, t'es rapide, hein. En récompense, je vais te donner mon trésor, le grappin. Cette chaîne montée sur un ressort de Isra là reviens me voir et tu gagneras peut-être un autre petit cadeau. Ok, bon, du coup un grappin, mais non, du coup il a un autre cadeau pour nous. Ok. Le grappin qu'on va tout de suite équiper. Alors bon, honnêtement je pense que ça n'a pas l'air compliqué. Non. Ah, à moins que. J'ai joué quoi comme chien? C'est absolument pas ce que je voulais jouer. Non. Peut-être un... Bon, ça, du coup. Ok, donc les pierres comme ça, on va pouvoir y jouer avec, on va pouvoir jouer avec le chien du temps. Ok, donc ça, ça va être intéressant à savoir. Mais sauf que je peux pas ouvrir cette porte. Ah, ah oui, non, mais ok, imbécile. Salut toi. Grrr. Si jamais je retrouve ce môme, je lui écrase la tête. Il y a 7 ans, mon beau moulin avec cette ocarine. Si jamais je le retrouve... D'accord. Donc le môme qui a 7 ans... Oh, la carte de cœur. Oh non, putain, j'aurais pu l'avoir. Bon, tant pis. Tant pis. C'est pas grave. Bon, du coup, on va... C'est pas mal de petites choses à faire. On va aller, du coup, on va se rendre au... C'est absolument pas ce que je voulais. Oh là là, la réception. On va du coup au... aller au ranch.
On a quelques petites choses à faire. Et après... Après, on verra. Allez, à tout de suite. Qu'est-ce que ça se fait si je fais ça? Absolument rien. Donc, alors ici, on a un petit quelque chose à faire. Alors, voyons voir. Parfait, c'est toi qui veux voir normalement. Parler. On dit à Cocorico que j'ai fichu talon à la porte du ranch. C'est n'importe quoi. Ce vieux crétin d'Igor était inutile. Moi, Ingo, le travailleur, me suis dévoué entièrement à ce ranch. Alors, fais gaffe à tes paroles. J'aime pas trop les rigolos dans ton genre, qui racontent n'importe quoi sur moi. Je suis pas centré sur la personne. Voilà. Est-ce qu'elle va tenir? Attendez, j'ai un problème de type caméra. Ah. C'est bon. Voilà. Le grand Ganondorf a reconnu mes talents et m'a fait don de ce ranch. Ça te la coupe, hein? Je vais dresser un cheval d'exception et le grand Ganondorf sera ravi de mes services. Au fait, mon ami, que dirais-tu de monter l'un de mes chevaux? Donne-moi 10 rubis et tu pourras monter l'un de mes chevaux. Ok. Tu veux savoir comment on monte? Ouais. Place-toi près du flanc du cheval et appuie sur A pour le monter. Utilise. Ouais, ok. Appuie sur A pour chevaucher. Passe par-dessus un obstacle. Un obstacle fait galoper ta monture plus vite que possible. Attention. Les chevaux sont parfois. Ils ne sauteront pas si l'ongle de saut ne lui plaît pas. Fais arrêter ton cheval, appuie pour mettre pied à terre et maintenant va t'amuser. Merci beaucoup. Ok, donc on va voir chercher un cheval. Sauf que le problème, c'est qu'on a 1 minute. Mais quoi? Voilà. C'est ce cheval-là que je veux. Non. Il faut faire quoi après? Non. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je fasse quoi? Faut
Vous faire quoi? Attendez. Ok, j'ai trouvé. Donc en fait c'est tout simple. Faut juste aller lui parler. Tout ce qu'on est là. Tac. Pour mettre pied à terre, dis-moi, je même... On ne se connaîtrait pas par hasard, j'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Tu veux arrêter maintenant? Oui. Ok. Pas mince. Bah. Je comprends pas du tout ce qu'il faut faire. Parce qu'on est clairement d'accord que c'est Epona qu'il faut. D'ailleurs, ça c'est pas Epona. Vous avez tué Epona. Epona. Hop, Epona. Epona. Où es-tu, ma petite? C'est toi là-bas? Elle m'a comme moi, elle est trop belle. C'est pas Epona ça. Oh, moi je vais descendre. Ok. C'est pas Epona. Attendez. C'est pas Epona, tu ressembles pas du tout à Epona en plus. Qu'est-ce que je dis? Voilà, moi je veux Epona. Moi je monte que sur Epona. Pauvre fou, j'ai confondu Epona. Ah, tu t'améliores. Ça te dit une petite course contre moi? Le premier qui fait un tour de l'enclos a gagné. Bah ouais. Donne-moi 50 rubis. Bon, t'es un peu un arnaqueur, mais ok. Bon. Donc, une course. T'es battu? Non! Si le grand Ganondorf apprend cette infamie, et toi, on refait la course. Et si tu gagnes,
cette fois encore, tu pourras garder le cheval. Pas de problème. Bon, par contre, tu m'as l'air un peu compliqué, je pense. Gagné. Quoi? Ah oui, non, je veux dire, quoi, il n'y a plus d'un tour. Quelle est cette jument? Est-ce Epona? Comment as-tu pu dresser cet animal sauvage? Cette jument était destinée au grand Ganondorf, mais je l'ai parié et perdu. Non! Ah ah ah, comme promis, tu peux garder le cheval. Cependant, tu ne sortiras jamais du ranch. Merde. Ça je connais. Yay, Pena! Bon, techniquement, on l'a un peu volé, quoique, techniquement, on l'a gagné. Ok. On a Epona. Et ça, c'est cool. Ok, maintenant on va devoir aller attends, où est-ce que j'ai moi? Chex par la full drive. Attends, regardez-moi la vitesse à laquelle on déplace. Je pense qu'il va falloir retourner à Foire et Kokiri. C'est tellement bien avec Epona. C'est où cet endroit? C'est pas là que je vais aller. What the fuck, c'est où? Peut-être que si, je sais plus. C'est où ça? Oh! Ah, mais c'est le lac! Ok, c'est le lac qu'il y a. C'est pas là que je vais aller. C'est pas là que je voulais aller. Tac, nous on va aller non, moi là où je vais aller, c'est pas ici. Voilà, moi là où je vais aller, c'est par là.
Putain, mais j'ai un problème. Je connais absolument plus la zone. Tac, attends-moi là. 30 secondes, Epona. C'est où, là? Voir. Valet Girugo. C'est pas là que je vais aller, moi. Putain, j'ai un problème. J'arrive pas à me repérer. Attends, les ellipses. Ok, bon bah merci Pona. Doucement. Parfait. Bon, allez, on revient vite. Du coup, les coquilleries. Oh la vache. Qu'est-ce que tu fous là, toi? C'est un bon bordel par là. Dis-moi ce qui se passe, toi. Non, tu veux pas parler, toi? Toc. Alors, fais-moi le malin. Des cœurs, non? Moi, je voudrais bien des cœurs. Pas là qu'il faut aller. Ok, où est-ce qu'il faut aller? Ok, je vois où faut aller. Ok. Attendez. Tac tac. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Il faut aller. Puis que je sais plus trop où c'est. Je crois que c'est là. Faut aller en fait au bois perdu, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, c'est long. Putain, ça fait bizarre de revenir ici adulte. La vie, s'il te plaît, la vie. Rien du tout. T'as pas radis là. Alors.
Est-ce qu'on entend toujours le chant de Sharia? Attendez, on vient d'ici. Donc, je vais pas aller au village Gorum. Je me suis failli. Ok. On le refait. Droite. Gauche. Droite. Oh. Mais qui êtes-vous? Vous n'avez peut-être pas l'air d'un coquin, mais je ne suis pas né de la dernière giboulée. J'ai promis à Sharia de ne laisser personne entrer. Vous voulez la voir? Alors prouvez-moi que vous êtes un ami. Montrez-moi quelque chose qu'elle vous a appris. Mais ça m'étonnerait qu'elle soit amie avec un type comme vous. Non. Regarde. Regarde, on a mis Sharia. C'est absolument pas ça. C'est absolument pas ça non plus. Je suis la merde. Voilà. Oui, je fais n'importe quoi, mais ça m'éclate. Cette mélodie. Sharia la joue tout le temps. Vous connaissez Sharia? Cette chanson. Sharia ne l'a enseignée qu'à ses amis. Ok, je vous fais confiance. Je ne sais pas pourquoi, mais vous me rappelez l'autre. Mais on est l'autre. Bosquet sacré. À partir d'ici, nous allons emprunter des trois passages. Si tu prosternes. Sérieux? Ok, j'ai compris. Ouais, mais là, du coup, là, je suis bloqué. What the fuck? Attendez. Non, je peux pas.
J'ai pas écouté en plus ce qu'elle m'a dit. Mais arrête, Link. Faisait bien. N'aie pas peur. Quoi? Ok. C'est bon, calme-toi. Voilà. Allez, hop, on dégage. Donne-moi un peu de vie. Non, rien. Peignant. Bon, c'est sûr qu'il y en a là. Salut. Merci. Alors, où est-ce qu'il faut aller? Oula, attends. Ok, il y a une face sous l'eau, si je me souviens. Ok, alors, pas par là, a priori. Quoi, mais genre j'ai tiré bien avant. Eh bien. Petit petit. Oh mince, tu es mort. Alors. Thank you.
Marine balaye. Comment on le bat? Non, j'ai pas le temps. Comment est-ce qu'on fait? Attendez. Ok. Non, sérieusement. T'es mort. Voilà. Bon. Elle est pas là. La course du temps est cruelle, sa vitesse est périlleuse et précieuse. Et puis, on la refait. Sa vitesse est perçue différemment par chacun, mais personne ne peut la modifier. Seule la mémoire des jours anciens n'est pas altérée. Pour revenir ici, joue le menu des bois. C'est quoi cette musique? On l'a pas? Ah ok, on l'a pas. C'est ce que j'ai fait. L A X Y X Y. Je sais pas, ça m'a peut-être dû compter les touches comme j'ai fait rapidement parce que ça a bugué. Vous apprenez le menu des bois. Link, à très bientôt. Y'a rien à faire avec ça. Ok, donc faut qu'en fait qu'il y a un point rouge. Ok. Je comprends comment ça marche. Et donc là, on est face à un...
face au temple de la forêt. Eh bien, vous savez quoi? On va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure sur The Legend of Zelda Ocarina of Time, où on fera le premier temple, le premier vrai temple, parce que bon, les autres, je vous rappelle que c'était des donjons, je crois. Parce que là, c'est vraiment un temple. Donc voilà, donc si vous avez pu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, allez, salut à tous, c'était Paradox. Bye tout le monde, allez, salut. Allez, salut. Allez, salut, bye bye. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, salut.